Bonjour, bonsoir les amis, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle j'ai envie de vous parler de mon nouveau bouquin. D'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'auteur de l'art du trading. Alors l'art du trading, c'est pas un petit bouquin, c'est un énorme bouquin. Regardez, regardez, c'est un énorme bouquin, c'est énorme, l'art du trading, c'est énorme. Et l'art du trading, c'est un bouquin qui m'a demandé une année de boulot, une année de sacrifice, une année durant laquelle effectivement bah, je me suis dit je vais écrire le meilleur bouquin sur le trading dans le monde francophone et même dans le monde anglo-saxon, puisque bon, j'ai quand même des références, pas mal de références dans le monde anglo-saxon, et je me suis dit je vais écrire vraiment un best-seller. Et depuis 10 ans, ce bouquin, c'est un best-seller à la flingue. Et c'est incroyable parce que justement, il y a eu plein de bouquins de trading, etc. Ils apparaissent pendant un an, pendant 6 mois, et ensuite ils disparaissent. Mais le bouquin qui est resté, c'est ça. Et ça, c'est important pour vous comme exemple de qualité. C'est-à-dire qu'effectivement, la qualité, elle reste après 2 ans, après 5 ans, après 10 ans, quand vous achetez, quand vous produisez quelque chose qui est de la qualité, ça reste. Et puis, cette année, j'ai fait un autre pari fou, écrire un bouquin sur la liberté financière. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai déjà écrit 6 bouquins. D'accord, l'art du trading, psychologie des grands traders, etc., etc. Et là, c'est mon 7e bouquin. Et alors, ce 7e bouquin, ben, c'est tout simplement un pavé. Alors, regardez, pour ceux qui... allez. C'est énorme! C'est énorme! Et ça m'a demandé énormément de temps. Et le titre... Et alors, pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce que j'ai envie de solliciter ma communauté. Donc, déjà, j'interagis pas mal avec vous. Je reçois énormément de messages super positifs de personnes qui me disent « Tammy, tu me boostes, tu me motives, tu me donnes la niaque !» Et là, maintenant, c'est à moi de vous demander de m'aider. Alors, le titre de ce bouquin, c'est « Agir 5 ans pour virer son patron, quitter son banquier et vivre la belle vie ». Et alors, moi, mon objectif, c'est quoi? Je l'ai déjà posé, donc c'est une étudiante de la TKL, TKL LFA, qui m'a proposé ce titre. Katel, je te passe un grand bonjour et voilà, j'ai retenu ce titre. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de lancer un grand concours parmi la communauté, donc sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. C'est qui va me donner le meilleur titre, le titre du bouquin qui va avoir effectivement, qui non seulement sera génial, mais qui sera effectivement approuvé par tout le monde. Donc déjà, ça c'est le titre de Katel. Si vous considérez qu'il est génial, ben c'est super. Si vous considérez que vous avez un autre titre qui va claquer, qui va apporter de la valeur et qui permettra justement à ce livre de se distinguer, ben n'hésitez pas, je compte sur vous. Donc, rapidement, je vais vous parler de ce bouquin, comme ça, ça va vous aider à m'aider pour le titre. Donc, ce bouquin, c'est en fait un bouquin sur la liberté financière. Et dans ce bouquin, je vais bien évidemment faire du storytelling, c'est-à-dire que je vais raconter mon histoire, je vais vous expliquer pourquoi la liberté financière, pour moi, c'était important, qu'est-ce qui m'a attiré vers la liberté financière. Et donc, il y a 14 chapitres. Je vais revenir sur les principaux chapitres de ce bouquin. Tout d'abord, je commence par mon parcours de fauché à multimillionnaire. Je reviens sur pourquoi finalement je suis devenu libre financièrement. Qu'est-ce qui m'a poussé? Quelles sont les circonstances de la vie qui m'ont poussé à vouloir devenir libre financièrement? Ensuite, je vais revenir sur l'importance de devenir libre financièrement aujourd'hui. C'est-à-dire que, encore une fois, beaucoup de personnes, ils regardent des films, ils regardent YouTube, ils regardent des petits YouTubeurs avec des Lamborghini, des Ferrari. Et ils se disent « Waouh, j'ai envie d'être comme eux, c'est génial, ils sont libres finalement. » Mais en fait, tout ça, c'est du marketing, les amis. Hein. Attention, hein. Même moi, quand je roule en Porsche ou en Ferrari, c'est du marketing. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Mais c'est du vent, c'est pas pour ça qu'on veut devenir libre financièrement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est pas pour rouler dans une Ferrari, ça c'est du... C'est encore une fois, la Ferrari, c'est la pire des choses, c'est le pire investissement de la planète. Ça va vous coûter des fortunes. Mais quand vous êtes youtubeur ou quand vous êtes spécialiste de la liberté financière, ben c'est clair que c'est un asset. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est un atout marketing. Que les gens vous voient rouler dans une Ferrari, même si vous êtes fauché, ils vont se dire « Ouais, le gars, c'est super, il a une Ferrari, donc statut, donc autorité. » Donc on se dit, même si le gars raconte des conneries, il roule quand même dans une Ferrari, malheureusement. Donc ça, c'est le côté marketing. Ce n'est pas le côté qui me plaît, mais ben, il faut en parler. Par contre,
pourquoi on veut devenir libre financièrement. C'est quoi le plus important dans la liberté financière? Et donc ça, c'est le grand 2. C'est-à-dire le fait de vous dire, vous n'avez pas d'alternative. Aujourd'hui, devenir libre financièrement, ce n'est pas pour rouler dans une Ferrari ou une Lamborghini, c'est parce que c'est hyper important. Le chapitre 3, c'est comment éliminer toutes les fausses croyances et les blocages par rapport à l'argent. Moi, j'avais énormément de blocages. Je pensais que l'argent, c'était tabou, c'était sale, que les escrocs pouvaient s'enrichir, etc. Mais c'est ce qui m'a freiné et c'est ce qui vous freine sans doute par rapport à la liberté financière. C'est-à-dire que tant que vous avez un blocage et des fausses croyances par rapport à l'argent, vous ne deviendrez jamais libre financièrement. Donc, ça commence par effectivement éliminer tout ça. Ensuite, je reviens sur le meilleur investissement au monde. Vous savez un peu, vous devinez ce que c'est. Grand 5, je vous explique pourquoi l'argent, c'est le carburant de votre liberté financière. Grand 6, je vous explique comment multiplier ses revenus par 5 ou par 10. Grand 7, je vous montre comment devenir rentier avec l'immobilier même en partant de zéro. Grand 8, mini-empire sur Internet, comment créer finalement un empire sur Internet. Grand 9, booster ses revenus grâce au trading. Grand 10, la meilleure stratégie pour devenir libre financièrement en moins de 5 ans ou en moins de 10 ans. Grand 11, comment devenir millionnaire grâce à la bourse. Grand 12, devenir rentier. Et puis, bien évidemment, l'importance d'avoir une stratégie en matière de liberté financière. Donc, c'est un énorme bouquin, les amis. Vous voyez, c'est ça. C'est un énorme bouquin. Donc, votre mission, si vous l'acceptez, premièrement, validez ce titre. Est-ce que ce titre vous plaît? Est-ce que vous considérez que c'est le meilleur titre de la planète pour ce bouquin? Deuxièmement, me proposer un titre. Alors, pourquoi agir? Bien évidemment, vous connaissez la signification de agir, c'est apprendre, gagner plus d'argent, investir et bien évidemment réussir sa vie. C'est ça, agir. Et donc agir, donc effectivement les quatre lettres magiques, comment 5 ans pour virer son patron, quitter son banquier et vivre la belle vie. Pourquoi 5 ans? Parce qu'il faut bien une deadline, d'accord? Il faut une date butoir et c'est important effectivement d'avoir un objectif et bien évidemment il faut que ce soit chiffré avec des dates, avec des niveaux également financiers concrets. Donc c'est un titre que je trouve génial moi personnellement. Mais si vous me trouvez un autre titre qui est vraiment claque, et ensuite, bien évidemment, on le soumettra et il y aura des prix qui seront remis aux gagnants, hein, des super bons prix. Donc, jouez le jeu et franchement, ça vaut le coup parce qu'effectivement, il y aura des prix hyper sympathiques. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la partager un max, de participer à ce jeu concours. Alors, je ne vous donne pas le prix maintenant, mais franchement, ça va être hyper sympa. Ne vous inquiétez pas, ça va être génial. Vous pouvez compter sur moi. Et donc, voilà, à vous de jouer les amis, à vous de jouer le jeu un max et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao !